Hello, hello, la famille, bonjour à tous, bienvenue sur votre page Buzz pour ma TV. Ah oui, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Comme vous le savez si bien, ici on est spécialisé dans le béret et le japap des stars en Afrique et de par le monde entier. Je me présente, je suis Afro Princesse, l'assistante de Buzz pour Max, encore une fois de plus pour vous faire plaisir ce matin. Et je suis très ravie d'être parmi les vôtres. Je crois que vous avez bien dormi et que de votre côté, vous essayez un peu de pallier aux différentes circonstances de la vie. Bon, la famille, ce matin donc, hier, c'est pas ce matin, j'étais là en mode pacouillage comme d'habitude. Je disais que ouais, je vais proposer quoi à la famille ce matin et tout et tout et tout et tout. J'étais en train de pacouiller. Après, je tombe d'abord sur une publication de Bovan. Je savais même pas que Bovan avait une page Facebook. Sincèrement, je n'étais pas abonné parce que moi, je suis beaucoup plus sur TikTok parce que je sais que c'est là-bas qu'il évolue vraiment à fond. Je parcours, je parcours, je parcours. Après, je tombe sur une publication de Bovan. Je suis en queue sa page, regardez. Une publication récente même. Bovan, je vois mon premier bébé. Je vois une photo là, il y a le bébé à même. Je me dis que ah, peut-être qu'il a été papa et tout. On va le féliciter parce qu'on ne connaît vraiment pas la vie en inbox. Vous savez que ces gens-là n'affichent pas leur vie privée. Ils affichent juste ce qu'on veut voir. Le reste, ils n'affichent pas. Après, quand je regarde bien, je vois que c'est un EP qu'il est en train de sortir. Je croyais que c'était l'album, mais c'est Buzz pour moi qui m'expliquait ça. Je dis que regarde la photo, je lui ai envoyé la photo aussi. Je lui dis que regarde, Bovan a sorti un album. Il me dit que ce n'est pas un album. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand quelqu'un sort un titre, c'est un single. Quand il sort 6 titres, c'est un EP. Je sais pas si vous avez dit EP. Et à partir de 7 en montant, c'est l'album, comme Axel a fait l'album là. Donc, Bovan nous a présenté son EP. Vraiment, le décor de la maquette et tout, il appelle ça quoi, de l'image qu'il a choisi pour publier. Ça me plaît beaucoup parce qu'il a mis mon premier bébé, c'est vraiment comme si c'était un bébé et tout. J'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de vous lire les titres. Premier titre, c'est mon sac. Je sais pas, j'ai pas encore subi ça, mais ça s'annonce vraiment du lourd parce que Bovan, c'est également quelqu'un qui a du talent. Hein. Axel ne s'entoure que des talentueux. Bovan, talentueux, Tema Koch, talentueux, Fatou, hyper talentueuse, Diane, en fait, tous ses proches, même qu'elle était avec Kim, vous savez que Kim, c'est une boss lady également, elle a également beaucoup de talent. Les jeunes ambitieux qui veulent oser, caler les marins également, pareil. Deuxième tic, faut pas m'appeler Fit Fanico. Moi, c'est là qu'avec Fanico, ça va donner. Vous avez constaté que partout là où Fanico met sa voix, non, ça donne toujours, c'est toujours du lourd. Là où Fanico a mis sa voix, c'est qui suit, c'est le succès. C'est le succès. Fanny qu'on connaît sa chose. Il connaît agrémenter. Il connaît mettre le petit piment là. C'est ce qui me plaît sur lui. C'est un artiste à part entière. Pour moi, il est bien vrai que dans les singles, il est très fort. Ses chansons personnelles. Mais dans les featuring, non. Quand tu invites Fanny qu'on en featuring, il faut mettre les pieds sur terre. Il faut mettre les pieds sur terre. J'ai fait un petit commentaire également sur Axel. Vous savez qu'hier, il a sorti son nouveau clip là. Lili, Lala, Lolo là. Il dit que quand tu invites un artiste en featuring qui vient chanter plus que toi, vous avez vu comment Camille doit chanter dans le clip là. Ha! C'est la magie seulement. Il a chanté là jusqu'à. Axel ne voit même pas le carreau. Il a c'est le clip titulaire. Parce que même dans le titulaire, Mia Guissa a fini avec. Voilà les deux artistes qu'il a invités en featuring qui sont venus le brûler ses mains, l'éteindre. En tout cas, on continue. Revenons à Bovan. Je sais que j'aime trop Axel, c'est mon chouchou, mais bon. J'aime aussi Bovan, c'est quand même mon frère continentais. Son troisième titre, c'est Mon Dieu ne m'a pas oublié. Waouh, c'est bien parce qu'il a pensé à Dieu. Parce que c'est Dieu la base de toute chose. C'est Dieu la base de toute chose. Comme je le dis généralement, rien ne peut être possible. Tu ne peux rien accomplir par la prière. Quand tu te réveilles, tu es debout, il y a le souffle de vie et tout, tu sens vraiment que Dieu est grand. Parce qu'il y a beaucoup même qui s'endorment comme ça, qui ne se réveillent pas. Dieu fait tellement de miracles dans nos vies que même quand parfois certaines personnes veulent se lamenter, ils ne savent pas. Ils ne savent vraiment pas certaines circonstances, certains obstacles que ce Dieu-là nous fait éviter. Moi, je ne blague pas. Hein. Raison pour laquelle je dis toujours ici, il faut prier, c'est Dieu la base et tout, et tout, et tout, et tout. Buzz, pour moi, je m'appelle généralement pasteur parce que moi, je suis une personne de foi, je suis une personne de prière. Et si à travers mes vidéos également, je peux édifier de temps à autre pour dire aux gens de ne pas oublier Dieu, je pense que c'est une bonne chose. Donc, bravo vraiment à toi, Bovan, pour ce troisième type. Quatrième titre, c'est HBD, donc Happy Birthday.
C'est sûr que c'est une chanson d'anniversaire. Vous savez généralement que les chansons d'anniversaire sont intemporelles. Donc je pense qu'il a bien choisi de faire ce titre. Il y a beaucoup de sons aussi qu'on suit, de sons de Matt Houston là. Happy birthday! Happy birthday, c'est un son intemporel. Ça ne va jamais mourir, ça sera toujours là. Quand on va parler d'anniversaire, les gens, l'anniversaire c'est quand même un jour spécial. Vous voyez un peu. Et suivre souvent les sons, sortir les sons d'anniversaire, c'est quelque chose qui. C'est intemporel quoi. Même si tout le reste ne chauffe plus, on peut mettre ça à un anniversaire, on danse, c'est ok, c'est top. Le cinquième son, c'est Venez voir Fix, G-H-I-X, Fix Jix. Jix. J'ai déjà entendu parler d'eux, mais je ne les connais vraiment pas dans les détails. Et le sixième son, c'est Crush, Crush, Crush. Ah oui. Bon, vous savez que c'est le mot qui chauffe maintenant, les filles. Oh mon crush, mon crush. Moi, par exemple, j'appelle mon mec mon crushito. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, j'ai hâte de suivre. Oui, peut-être je vais lui dédicacer ça. Je voulais juste partager cette belle nouvelle avec vous parce que Bovan, quand même, c'est quelqu'un qui fait dans la musique depuis. Je pense qu'il a décidé de oser de faire un EP comme Assel a fait l'album. C'est bien. Ça veut dire qu'il travaille vraiment. Ils sont en train d'évoluer. Félicitations à toi. J'ai hâte de savourer, de déguster langoureusement tes chansons comme je déguste pour Axel là. Ça passe en boucle dans mon ordinateur qui est là. Tout le temps, j'écoute. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Félicitations à toi, mon frère congénital, encore une fois de plus. J'espère que tu auras également beaucoup, beaucoup de succès. Mais c'est que ça va aller. Tu auras beaucoup de succès. On va prier pour toi. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives depuis l'Espagne. Une fan qui t'aime beaucoup. C'était tout pour la vidéo. Merci à tous ceux qui sont connectés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, la famille, vous êtes adorables. Un bisou encore particulier à une soeur de la famille que j'aime beaucoup, Agnès Akoa. Encore merci pour l'encouragement, pour le soutien de tous les jours. Je vous aime également, les autres membres de la famille. Hein. Il y a beaucoup également qui m'encouragent ici. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de prier et de confier toujours vos journées au Seigneur parce que c'est Dieu la base. Bisous, bisous. Hasta luego.